L'économie grecque est toujours en forte récession, moins 5,6% au premier trimestre, contre une première estimation à moins 5,3%. C'est légèrement mieux que les moins 5,7% enregistrés au quatrième trimestre 2012, en rythme annuel toujours. Ces chiffres sont publiés au moment où le FMI et la Commission européenne polémiquent sur la gestion de la crise grecque et le premier plan de sauvetage de l'économie et grecque en 2010, mettant en péril l'existence même de la troïka des créanciers qu'ils forment avec la BCE. Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, s'est invité dans le débat vendredi, estimant que le FMI s'était montré injuste dans ses critiques aux Européens.